Salut YouTube, aujourd'hui c'est la visite du critique gastronomique, mais pour l'instant Gordon Ramsay il bug et on a débloqué la recette de la bruschetta à la tomate qui a l'air d'être passionnante et le jeu vient de planter. Mais si c'est pas du plaisir, rien que pour ta dé. YouTube, on arrive avec toi et le jeu vient de planter, si ça ce n'est pas beau. Ça te prouve une nouvelle fois que ce jeu, il faut l'acheter. Surtout, n'hésite pas, il y a très peu de bugs. Comme tu as pu constater dans les dernières VOD, presque pas de bugs. Et surtout, un gameplay de passion, surtout. Je pense que tu as dû noter ça, YouTube. Vraiment, pile au bon moment, on ne peut pas faire mieux. J'espère que la sauvegarde auto s'est faite. Quelle heure est-il? Il est 22h48. On attend la visite du critique et on fera brûler la cuisine, YouTube, t'inquiète pas. Passe sur un autre jeu. Ah non, 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 on va voir la 5 étoiles et après on va désinstaller le jeu. C'est ça que vous ne savez pas en fait. On récupère les 5 étoiles et on désinstalle le jeu. En direct. Vraiment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner YouTube pendant cet écran de chargement que tu peux constater. Très rapide, vraiment très peu lent et surtout hyper animé, hein. Vraiment une animation de qualité, on dirait K2000. C'est pas lent en plus, hein, vous voyez, c'est vraiment un écran de chargement assez rapide qui mérite qu'on s'y intéresse quand même. Est-ce qu'on peut en parler qu'au moment où on coupe un poivron, il y a de la sauce tomate plein plein de travail, hein. Si c'est pas un truc de dégueulasse, si ça annonçait pas la couleur du jeu quand même, tout ça, hein. On en est là quand même. Écoutez, je vais aller sur YouTube. J'ai découvert une chaîne super sympa. N'hésite pas à y aller, YouTube. Allez, chargeons le jeu. Attends les conneries. Ok, c'est bon, ça sauvegarde automatiquement. Ça fera plus de place pour SDF Simulator et House Flipper. Exactement. House Flipper, est-ce que vraiment on va partir sur ça? La DLC est gratuite. Qui sait? Est-ce qu'on va peut-être pas devenir Valérie d'Amido? Ça peut être sympa. La Valérie d'Amido du streaming? Franchement, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de se marrer? Si c'est full buggé comme Walking Simulator. Ah voilà, alors là j'ai entendu full bordel. Et ben voilà. Non mais vraiment. Grosse connasse. Bruschetta, plat du jour. Bah yes. 14 minutes, donc bah là faut qu'on coupera des citrons la semaine prochaine, hein. Vraiment, on est là, il faut qu'on fasse en urgence, c'est les frites. Et les frites, c'est tout ce qui nous manquait, les pommes de terre c'est bon, faut qu'on fasse deux frites. En urgence, deux frites, et en fait, après on fait les brochettas. Il faut qu'on fasse la mise en place brochetta direct. Je crois les frites c'est en 10, hein, les deux. Donc là, ça veut dire qu'il faut au moins que j'en fasse 4 ou 5 des brochettas. Non, vraiment, faut que j'en fasse au moins 4 ou 5, sans rien. Si je mets là, ça bug. Ça passe. Parce que plat du jour, ça veut dire que potentiellement le. Je suis à DLC de 8. De quoi? Je te tue si t'as la DLC au Sleeper gratos. Mais je te jure qu'elle est gratos la DLC. Avec le code que j'ai eu, elle est gratos. Ouais, mais moi faut savoir, j'achète plus mes jeux, hein. Vraiment, c'était il y a longtemps que j'achetais mes jeux, hein. Maintenant j'utilise KeyMailer et KeyMailer me les offre. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à KeyMailer en utilisant mon code cadeau en plein CG. Non, je déconne, y a pas de code, hein. Croyez pas ça. J'assure que le jour. Non, mais vraiment, non, mais là c'est du foutage de gueule. Toutes les patates, elles sont passées à travers la grille. Oh!
Non! Non! Mais non, mais quelle vie! Je suis désolé pour le volume sonore. Mais allez, mais allez, mais c'est de la vie en bois. Bah écoutez, il n'y aura qu'une seule frite de prête, hein, vraiment. Non, parce que j'ai genre 1 milliard de brochettes à faire et il me reste plus que 12 minutes alors. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On a fait au moins 4, je pense. Alors, à tes souhaits, à tes souhaits. À tes souhaits, la voix off. Voix off, à tes souhaits. Allez, c'est parti. Non, mais le pain, il fait pas 70 grammes. Tu te fous de moi, il fait 300 grammes. Comment je fais des tranches de 35 grammes dans un pain à... Mais quelle vie! Mais vraiment! Il fait 300 grammes, le bordel. Je fais 10 tranches, 9 tranches. Je fais 9 tranches. Ça fait combien 300 divisé par 35? 9 tranches, hein. Bon, je fais 8 tranches, allez. Donc sur chaque tranche, je mets de l'huile et de l'ail séché. Super. Énormément de plaisir. Bah ouais. Parfait. C'est ça, ici la voix. Alors, il faut mettre quoi dessus? 3 ml d'huile d'olive? Mais la PLS!
Ça, c'est vraiment la merde. Je préfère vous le dire. Pourquoi j'ai pris cette recette? Oh là là, mon dieu! Trop bien. Et 3 grammes d'ail séché. Je crois que de l'ail séché, il y en a quelque part par là. Galets ou toast? Je pense que des toasts. Ok. Et après, faut foutre ça 30 secondes au four. Ah, c'est bon, yes. Ok. Ça, c'est prêt. Mise en place terminée. Ensuite, c'est là où ça devient chiant. C'est qu'il faut couper une tomate de 120 grammes en 10. Donc en gros, faut faire des cubes. Donc là, c'est parti. On va voir si le jeu est intelligent. Déjà. Déjà, on va voir si c'est intelligent. Ok. Je pourrais jamais faire de cube. C'est un enfer cette recette. C'est quoi, je vais la faire en 10, puis c'est marre. Et voilà! Tada! Tada! C'est parfait. Je ferai pas mieux. De l'ail coupé en deux. Alors là, le germe n'a pas été enlevé, hein. Je suis pas d'accord avec le jeu. Hein. Alors couper en petits pains, alors ça j'ai pas compris, couper dans les petits pains, alors là... Pff. Vraiment, ça j'ai pas pigé, hein. Vraiment. Ça je l'ai pas encore, hein, vraiment. Mon pote, tu manges 5 grammes d'ail cru comme ça? Même si t'aimes ça, ça doit te faire tout drôle. 6 grammes de basilic, c'est parti. Oh, il faut que j'en fasse 5, mais c'est tellement lent à faire. Ça va être l'enfer. Il faut que je me fasse une mise en place de cette cochonnerie. Hein. Ici, genre là. Genre là, et ça, vinaigre balsamique, voilà. 15 ml. Super, c'était 10. Me suis gouré. Bon, c'est pas grave. Où est-ce 12 grammes le cube? 12 grammes le cube?
Hein? Ma 3, on recommence, ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que tu dis, saucisson sauvage? Bonne nuit, tigre, excuse-moi, j'ai pas vu. Des bisous. Toast, 12 grammes le cube? 12 grammes le cube? Hein? Ouais, vas-y, on s'en fout, on verra bien. Ah, parfait! Ça, vous le voyez pas, mais vous savez pas que ma femme est parfaite. Elle sait que j'ai arrêté de fumer, elle m'a fait une pochette pour ranger tout mon bordel. Fait main et tout. Franchement, c'est pas la classe à Dallas. Je sais pas ce que c'est. Ouais, mais c'est bon, ça fait 12 grammes, ça, c'est bon, t'inquiète. Regarde, c'est bon, ça devait faire 35 grammes la tranche, ça fait 38, c'est bon, ça passe nickel. Par contre, il reste 6 minutes, c'est juste chiant en fait, non? C'est juste, je vais en faire 3 et puis. Puis fuck. Merde, je vais faire comme ça. Pourquoi ils ont mis la brochetta plat du jour aussi, ces idiots là? Vous savez quoi, je vais en faire que deux parce que ça me saoule. C'est déjà en train de me saouler en fait. Je vais en faire que deux. Et si j'en ai plus de deux à faire, bah je crierai au secours et puis c'est tout. Et si le critique il prend ça, bah j'en ferai une maison et je ferai ça bien. Parce que moi, faire des cubes dans un jeu qui accepte pas qu'on peut tourner son couteau, je suis désolé, mais je sais pas faire. Et si le critique il prend ça, c'est vraiment un gros bâtard. Ok. 4,54, il faut que je fasse des frites. Est-ce qu'on tenterait pas une nouvelle approche de la frite? Je pense que ça a fait de la merde. Holton Turn Run. Alors, je sais pas ce que t'as dit. Hashtag SR. Ah, Sound Quest. Ah non, non, y a pas de Sound Request. Je suis désolé. J'ai mis la musique. Bon, c'est parfait comme frites, ça. Nickel. Non, j'ai téléchargé de la NFS. La No Copyright Sound. Et je l'ai foutu dans le fichier audio. Y a pas de song request, faudrait que je le mette en place, ce song request. Mais si vous mettez de la merde, je vais péter les plombs, alors je sais pas si je vais le faire. Et si je mets une VOD, faudra pas que je mette le song request, faudra pas que je l'active. En gros, vous allez me demander de bosser, ça va me saouler en fait. Donc c'est pour ça que je la fais pas.
Ah, mais on voit les marques de découpe. Mais c'est de la merde. Bon, ne pas donner ces frites-là aux critiques, hein, vraiment. Minutes 55, est-ce que j'ai le temps de refaire une salade de tomates? Je pense que oui. Pas de gros mots, il y a des enfants. Bah yes, c'est vraiment nul. Si les enfants sont pas encore couchés à 23h10, il y a un problème aussi. Enfin, un enfant, je suis seul. Bah yes. Écoutez, on va faire une tomate. Peut-être même deux, on verra si on a le temps. Comment? Non mais dans quel monde je peux faire des cubes si je peux pas tourner mon couteau? Dans quel monde je peux faire des frites si je peux pas tourner mon couteau? Je sais pas si vous comprenez mon point de vue. À quel moment je peux faire des cubes quand mon couteau il peut faire que des tranches? Enfin, il y a un moment, je veux bien être sympa, mais je peux pas tourner mon couteau en gardant la main ferme. Donc il y a un moment, heureusement qu'il me demande pas de ciseler une échalote, hein, parce que je serais foutu. Hein. La bruschetta, ça va faire de la merde. Oh, je le sens. Et je sens que le critique, il va prendre ça. Je maîtrise pas du tout. Vous savez quoi, aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Je n'attends que le plat du critique. Vraiment? Vraiment, il a pas coupé l'ail, là? Des enfants, oui des enfants. Ouais bon bah écoutez Il y a pas de sel à mettre là-dedans, putain, je n'ai pas de sel. Mais si, il y a du sel et du poivre à mettre. Ah c'est bon, il y en a. Ah j'ai pas fait de pommes de terre en avance. Ça va aller vraiment, ça va aller. La mise en place est prête, de toute façon ça va aller. Mais jour où vous mettez 10 ml de vinaigre balsamique là-dedans, plus 15 ml d'huile d'olive, vous tuez votre patient. Je vous dis, c'est des Anglais ou des Allemands qu'on fait dire ça. Petit gras est parti, là, c'est bon, c'est des Allemands. C'est pas gentil de donner de faux espoirs, Kira. Je pense que t'en as vu d'autres. Ouais, je pense aussi. Allez, c'est bon, vous savez quoi? Hop! Combien de temps il reste? 2 minutes, je vais faire vite fait les patates si je peux. Au moins en préparer une. Qu'est-ce que je kifferais que le critique y prenne ce plat là? Ou une soupe de courge rapide. Elle est tellement parfaite la soupe de courge rapide. Je pense que si le critique y prend la soupe de courge rapide, je sais pas. Je pense que c'est l'excitation complète. Ou le borch. Oh,
Oh, s'il prend le Borch, quel bonheur. Bon, j'en ai trois, hein. Trois salades, ça devrait aller quand même comme plat du jour. Et à un moment, je vais pas faire non plus des miracles. J'ai rien refait cuire de plus. Pourquoi je n'y étais pas là? C'est peut-être la faute d'une personne. Hein, quoi? Ouais, j'y suis pas non plus là, je suis fatigué là. Ça va être l'heure du dodo? Je finis ça et j'arrête. Je fous le feu à la cuisine et j'arrête. YouTube pour toi en exclusivité, on va foutre le feu à la cuisine à la fin de journée. Allez, deux patates là-dedans et la journée elle démarre normalement. Il y a 58 secondes, c'est exactement ça. C'est parti. Va boire un coup d'eau quand même. Bon, comme d'hab, ça va démarrer avec double commande. Donc. Bingo. C'était sûr. Quatre-vingts secondes. Et 30 ml d'huile de tournesol. C'est bon, il en reste 164, on est large. Allez, c'est parti. Dire que j'adore en marchant sur un Lego, c'est génial. Ah oui, ça, quel plaisir. Servir deux plats en obtenant au moins 3,5. Non mais ça c'est vraiment indigne de moi ça. 3,5. Alors ça ressemble vraiment plus à rien. Donc on l'envoie quand même.
Parce qu'on s'en fout. On attend le critique. Ouf! Ah oui, il y a un problème. Ok, il y a un problème dans ce plat. Ok. Bon, si on en a, on en refera. On en fera un minute. On en fera un minute si on a. Oh, la double commande qui fait plaisir. Il n'y a toujours pas de bruschetta qui était plat du jour, hein, quand même, pour info. Non mais quand ça veut pas, hein. Faut pas insister, hein. Allez hop. Ok, alors ça s'est lancé, bah yes, là j'ai des tranches de... Ah non, faut que je fasse des tranches de citron, tant que j'ai le temps. Ouais, ça se présente dans le chat, tout va bien. Oh là là, ça a fait n'importe quoi. Bon, tant pis. Tant pis. Allez, on va retourner le thon, il doit être cuit. Presque. Parfait, la côte de porc va être cuite, ça va être cuit aussi. On est bien dans le timing partout, c'est nickel. Pour l'instant, le timing est parfait. L'hôtel te dit, je te donne mon prénom en MP et tu balances dans le chat. T'es sérieux? Vraiment? Quelle vie! Allez, ça part.
peux pas, je suis en train de jouer. Alors, qu'est-ce que ça dit? Mauvaise technique de cuisson, je pense. Mais le client était satisfait. Bon bah 3 étoiles et demie, ça fait 1 déjà. Allez, le jeu a bugué. Et dès que je fais un alt tap, ça lag de ouf. C'est un truc de ouf. Dès que je fais un alt tap, ça lag. Là, il met juste une grosse pression avec les commandes encore, quand même. Hein. Pour info. Je vais trop vite, faut que j'aille moins vite. De l'origan qui ressemble à de la sarriette. C'est parti. C'est le steak. Hein. Bah yes, c'est bon. Servir deux plats, c'est fait. Mis à part une mauvaise technique de cuisson, de coupe, c'est ça. Parfait. Alors. De faire un steak, je comprends pas pourquoi c'est chaud extérieur et je crois intérieur. Hein? Non, t'inquiète, pas assez cuisson. Ouais, peut-être pas assez cuit, je sais pas. Ok, le ballon va être prêt. On va aller chercher l'assiette. Hop, les deux patates. Le paleron. La police du goût? Non mais attendez, le critique est pas encore arrivé les enfants là. Vous revenez après. Si seulement le critique il avait pris le paleron, c'est mon plat signature. Oh, s'il pouvait prendre le steak de thon, ça m'arrangerait. N'empêche, plat du jour, la bruschetta. Toujours pas tombé, hein, pour info. Le paleron, c'est parti, il est midi. Normalement, ça, c'est parfait, normalement, ça, presque. Ah oui, c'est la technique de coupe et les épices que j'ai mis n'importe comment, non? Technique parfaite. Vraiment. Technique parfaite, il y a deux tranches qui font 40 grammes au lieu de faire 100 grammes, mais tout va bien. Nouvelle commande, magret de canard. Bah yes. J'ai 13 minutes pour la faire, je vais prendre tout mon temps. Non, par contre, non, ça va pas le faire.
Non mais on est un PG, bon, on n'est pas hein, vraiment. Moi je vous le dis. Faites pas ça chez vous. C'est vrai qu'il y a 10 ml de d'huile à remettre là pour le magret, c'est ça hein. Faut remettre 10 ml d'huile. Ouais, c'est ça. Je suis pire cuisinier. Bah moi c'est mon métier donc en même temps. Et je trouve que c'est quoi de mon con de mettre de l'huile dans du marais de canard, mais ça reste que mon avis. Hein. Ça aussi, je trouve ça vraiment dommage, c'est que tout ce groupe au centre. Ok, ça va être cuit. Écoute, on est vachement bien, je trouve. Le temps que le critique arrive, deux recettes par deux recettes, ça me va. Deux recettes par deux recettes, je faisais toute la nuit. Non mais vraiment. C'est parti. La signature. Vraiment. Trop d'huile. Ouais, mais c'est pas grave. Tiens, nouvelle commande crevette. Je vais les faire tout de suite. C'est assez vite à cuire. Ça va assez vite à cuire. Non, c'est pas cramé, c'est que c'était la peau. Il était pas cramé en fait, c'est juste que c'était la peau du saumon. PC il a chaud, je vous le dis. Stop it from shining through. It's true.
Ouais, lui qui passe travers la poêle, enfin, j'ai arrêté tout ça, tu sais, j'ai arrêté de me prendre la tête qui rend. C'est ma dernière journée. Voilà. Ça, dès que le critique il est passé, je fous le feu à la cuisine et on n'en parle plus de ce jeu de mort. Regarde-moi ça. Il y a des crevettes qui sont cuites, d'autres qui le sont pas. Sur les crevettes déjà 6 grammes de persil. Et le magret va être brûlé 100%. La race de ta sauge. Donne-moi le magret. On n'est jamais bon rien. Bah, tu sais pas encore. On n'est jamais bon à rien, c'est vrai. Ça, c'est une certitude. On est toujours bon à faire quelque chose. Putain, pourquoi il a pas pris ça le critique? Le plat de merde. Perdu une pomme ou comment ça se passe? Alors, le plat de merde. Ouais, faut pas dire ça non plus. Il y a toujours un truc à faire. Toujours un truc qu'on peut être doué. Allez, le magret de canard tranquille. Quelle heure il est là? D'habitude, il arrive vers 14h30, 15h le critique. Donc, il va quoi y avoir 3 ou 4 commandes avant lui. Quand il faut tout rater, bah regarde, moi depuis tout à l'heure je foire tout et pourtant je vais bientôt 5 étoiles. Hein. Ah, il manque 1 gramme de sel. Pourquoi? Connerie. Mais vas-y, tu devrais cuire encore plus lentement là, il y a 1 milliard de cuissons de graisse. Normalement, ça devrait être express. C'est la limite du magret frit là. Très bien, on envoie le magret de canard, c'est magnifiquement dressé en plus. J'ai 11 minutes pour faire ce truc là, ça va être parfait. Oh, le magret de canard, faut vraiment qu'il n'y ait pas de sale critique. Non, le critique faut qu'il prenne la soupe de courge, vraiment.
Alors attendez, faisons les choses dans l'ordre. J'ai largement le temps de tout faire. Très bien. Alors. Dans une poêle, versez 15 ml de beurre clarifié. Les crevettes. 6 crevettes normalement. Mais qu'est-ce que... Mais... Je m'énerve pas. Je m'énerve pas vraiment. Je m'énerve pas. Je m'énerve pas. Je m'énerve pas. Je m'énerve pas, vraiment, c'est une recette de merde ça. Mais non, putain, c'est vrai, je veux pas de cette merde, je veux une assiette creuse. J'ai rien perdu. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Mettre dans une assiette creuse, servir chaud et 10 g de persil. J'ai pas du tout regardé mon chat, hein. Je suis désolé, je sais pas ce qu'il s'est dit. Allez, j'envoie ça, qu'est-ce qu'il se dit? Je monte la chance 50%, j'ai gagné un jeu un peu ségoué, mais j'en ai pas. Ah bah voilà! Bah en vrai, faut que le critique y fasse ça. Bah il est trop froid, il est à moitié brûlé, mais trop froid. Ah bah yes.
Bah c'est parti, ça y est, ça s'enchaîne là. Soupe de courge, il m'en reste que deux. Oh merde, il manque un peu. Ce qu'on a son jeu, c'était un vrai cochon avec un apprenti qui a foutu un souk d'enfer. Non, mais j'ai un apprenti qui est terrible. Et merde. Non, ça, c'est pas grave, ça. C'est l'apprenti qui va nettoyer. Je paye en fin de journée pour qu'il fasse ça. Il sert qu'à ça, de toute façon, l'apprenti. Regardez le chef bosser et faire le ménage. Moi, j'en ai eu plein, les apprentis. Hein. Mis à part me regarder bosser et faire le ménage, ils avaient rien à faire, de toute façon. Donc je l'ai laissé me regarder bosser, c'était déjà un honneur qu'ils puissent me regarder. Et puis ben quand j'étais pas assez en forme, ils faisaient le ménage. Bah on les payait pas les apprentis de toute façon. C'est l'école qui les payait. Dans un sens, rien à branler. Ah bah tiens des crevettes encore. Vas-y, tu laves quand tu fais de la connerie. Je laverai quand j'aurai fini le service. Ok, soupe de courge. Ça va être chaud. Y a pas de lag hein, du tout. Non mais en plus je suis censé voir à travers le four c'est comment est la cuisson de la truite. Il y a l'apprenti pour ça. C'est ça, il y a l'apprenti pour faire le ménage. Bon YouTube, je sais pas combien de temps on en est, mais on va envoyer la soupe et puis on va arrêter là. Et puis prochaine VOD, le critique gastronomique. Hein. Allez, YouTube, on envoie la soupe et derrière le critique. N'hésite pas à mettre le pouce bleu YouTube. Bonne soirée à toi.